quand on vous interroge sur ces signes de communautarisme, je prenais l'exemple du chauffeur de bus, je peux parler des menus halal. Mais donnez-moi un exemple concret, je viens de vous répondre. Mais les voilà, vous avez des livres qui sortent tous les jours sur les revendications communautarisme musulman dans l'entreprise. Permettez-moi de vous expliquer mon attitude. La première est une attitude d'un homme indigné. Je suis qui je suis, c'est-à-dire un militant laïque de toujours, et pas pour des raisons spécifiques à une religion, je m'empresse de le dire. Je n'ai pas de guerre particulière avec la religion chrétienne dans laquelle je suis né et j'ai été élevé. Par conséquent, que les choses soient claires, c'est un principe républicain. Voilà. Voilà pourquoi vous me voyez réagir si vigoureusement. Deuxièmement, parce que le programme de la France insoumise, il est clairement expliqué dans un de ses livrets sur la laïcité. Toutes les mesures concernant la séparation de l'Église et de l'État sont incluses là-dedans. Est-ce que vous avez été choqué, Jean-Luc Mélenchon, par la censure de Dieudonné ou pas? Est-ce que c'est intéressant de vous... Là, quand il y a eu la censure de Dieudonné, Daniel Obono dit, voilà, elle regrettait cette censure. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous choque ou pas? Je ne me rappelle pas de quoi on parle. Oui, ça me choque. Ça y est, content, je vais cocher toutes les cases. Non mais est-ce qu'à un moment donné dans votre mouvement... Écoutez, arrêtez votre sale petit truc, d'accord? Vous êtes en train d'essayer à plusieurs de trouver une faille entre nous pour créer une division. Donc il n'y en a pas. Vous n'y arriverez pas. Non mais regardez-moi bien dans les yeux. Il n'y a pas de faille. Vous n'y arriverez pas. La France insoumise a des principes qui la rassemblent. Nous sommes divers, peut-être que vous ne le savez pas, mais le groupe La France insoumise est le seul groupe qui est politiquement divers. Il y a 3 personnes qui viennent de l'organisation Ensemble. Il y a une communiste, il y a 7 partis de gauche, et les autres sont des gens qui n'ont pas d'affiliation particulière. C'est le seul. Au groupe communiste, il n'y a que des communistes. Au groupe socialiste, il n'y a que des socialistes. Donc nous sommes différents. Mais ce qui nous rassemble, c'est le programme. Après, chacun d'entre nous pense ce qu'il veut. Le programme, rien que le programme. Et dans le programme, il n'y a aucune concession, d'aucune sorte, au communautarisme. Mon ennemi est le communautarisme, parce que je suis un républicain. Mon ennemi, tous les communautarismes, qu'on s'en souvienne. On vous a entendu. Alors, les auditeurs... Oui, bah.